En vacances au soleil, Sophie Brusseau, l'ancienne conquête de Drake et mère de son fils Adonis, fait grimper la température. Sur Instagram, la jolie brune vient de partager une photo qui met tout le monde d'accord. À 35 ans, Drake est l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Adonis. Sur Instagram, le célèbre rappeur canadien publie régulièrement des vidéos de lui et son fils qu'il voit régulièrement bien que le petit garçon vit en France. Eh oui. Adonis est né après une très brève relation entre Drake et Sophie Brusseau, une Française de 33 ans, ancienne star du porno devenue artiste peintre. S'il a bien mis du temps à se faire à l'idée qu'il est devenu papa à la suite d'une relation de quelques soirs avec une quasi inconnue, Drake a finalement assumé son rôle de papa et s'occupe aujourd'hui très bien de sa progéniture. Très régulièrement, il fait ainsi venir Sophie et Adonis à Toronto, Canada, où il possède une somptueuse villa. En début d'année, le rappeur a également emmené son fils et sa baby-mama en vacances dans les îles Turques et Caïques, petit coin de paradis situé au sud des Bahamas. De quoi entraîner des rumeurs de couple entre les deux jeunes gens. Drake et Sophie sont amis, et ils sont parents. Mais depuis ce voyage, ils sont maintenant plus que ça. Ils sont ensemble, a assuré une source proche du chanteur. Sophie Brusseau enflamme la toile, en couple avec Drake ou non. Sophie Brusseau semble en ce moment plus épanouie que jamais. Il y a quelques jours, la jolie brune a publié une photo d'elle où elle prend la pose moulée dans un bikini vert, durant ses vacances à Pantelleria Island, Italie. Un cliché qui a vivement fait le buzz et fait l'unanimité auprès de ses abonnés qui se sont empressés de faire des commentaires sur ses courbes et notamment sur son fessier naturel, je comprends Aubrey, Drake, NDLR. Joli corps naturel, c'est comme ça que l'on reconnaît des fesses naturelles, belles, naturelles. Sois toi-même, la cellulite est naturelle, merci d'être authentique et de montrer un vrai corps de femme, tu es une inspiration, perfection, peut-on par exemple lire.